Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto minute Happy Day Tourisme. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux objets liés et aux natures de liens. Vous ne savez pas à quoi ça sert, un petit tour d'horizon sur le site de Dom Tourisme. Je suis sur le site, je parcours une offre de sentier pédestre. L'office de tourisme a voulu indiquer les éléments à voir à faire à proximité et autour. Et pour cela, il a renseigné les objets liés sur sa fiche Apidae avec différentes thématiques comme adresse utile ou sur place. Et ça, si, ça facilite un petit peu le, le visiteur qui peut découvrir tout ce qu'il y a autour. Maintenant, allons voir sur Apidae comment ça fonctionne. Du coup, je me suis. Connecté à Apidae euh, sur la fiche que nous avons vue précédemment, le sentier pédestre circuit de l'étang des Lichères. Et pour obtenir les objets liés, j'ai un onglet ici à gauche, objets liés. Je clique dessus et je vois du coup tous les objets liés, donc toutes les fiches qui ont été reliées à celle-ci. Il y a différentes natures de liens possibles. Si je veux modifier cela, sur ma fiche, je clique sur modifier et je peux du coup cliquer sur le petit plus pour ajouter un lien. Ici, j'ai la liste des différentes natures de liens possibles. Je peux rechercher sur mes objets ou sur d'autres fiches et je n'ai qu'à l'ajouter avec le bouton petit plus. Sélectionnez la nature que l'on souhaite et validez et elle apparaîtra dans la liste des objets liés. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur les natures de liens, je vous invite à regarder dans le descriptif de cette vidéo. Vous aurez le lien vers le tuto de l'aide en ligne. Et puis, je vous dis à bientôt